Salut les amis, salut à tous, c'est le JT, donc on va parler d'un, en gros c'est pour un flash spécial, je vais vous parler d'un chauffard qui traverse l'Europe. Donc là il est sur la fin de son périple, il va pas tarder à arriver à Sheffield, donc on va le suivre tout au long de son trajet. Je crois qu'en ce moment il n'est pas encore en Angleterre, hein. Il va pas tarder à y arriver. Il doit être pas loin de Lille, il me semble, hein. Si je me rappelle bien, il n'est pas très loin de Lille, ou du Luxembourg, je sais plus trop. Mais tout ce que je sais, c'est que, voilà, c'est un chauffeur fou, qui respecte les limitations de vitesse depuis un petit moment déjà, et que, ben, voilà, c'est vrai que, bon. Donc je vais pas vous en dire plus, on va le retrouver tout de suite. J'espère que ça vous fera plaisir, parce que franchement, lui, ça lui fait plaisir de pouvoir faire un petit duplex avec vous en direct de son camion. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime peut-être, ou à vous abonner à sa chaîne, ou à la mienne aussi, parce que c'est la même. Donc voilà, on se retrouvera à la fin du duplex, ici même. A plus, à tout à l'heure. Salut, c'est moi le chauffeur qui est en train de traverser l'Europe. Donc vous avez suivi plusieurs vidéos sur moi. Bon, j'ai fait un peu le look d'un chauffeur, à peu près, hein, avec la petite casquette verte dans l'autre sens. Voilà. C'est pour les petits. Pour ceux qui sont un peu bricoleurs du dimanche, c'est une marque de bricolage, hein, ou de matériaux, on va dire. Donc aujourd'hui c'est un peu différent par rapport à d'habitude, parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas de volant devant moi, hein. Je suis complètement en différé. C'est pas vraiment de ma faute, enfin, un peu quand même, mais sans l'être. Par contre, cette fois-ci, donc, je vais vraiment vous parler et tout. Je vais pouvoir discuter très clairement face à face avec vous. En gros, ce sera un peu les vœux de, un peu comme le président, on va dire. Mais je referai certainement une petite vidéo de 5-10 minutes voilà, au mois de la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, au courant de la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai eu un petit problème de capture. J'ai mon ordinateur qui m'a foutu une misère. Donc comme vous verrez dans, au cours de la vidéo, il y aura des petites, certainement des coupures. En gros, certainement, il y a des vidéos, des bouts de vidéos qui seront coupées parce que j'ai eu des problèmes. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle sera parue le jour où je voudrais l'apparaître, parce que elle devrait être parue normalement le 3 janvier, donc le jour de mon anniversaire, le jour de mes 21 ans. Et je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés comme moi le 3 janvier. Enfin, je ne précise pas une année parce que c'est vrai, c'est pas vraiment le but. Donc par contre, voilà, je souhaite vraiment un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le même jour que moi. Qui sont nés approximativement dans une tranche d'une semaine ou deux. Je souhaite aussi un bon anniversaire, et aussi pour tout le monde une très bonne année avec de bonnes choses, parce que c'est le principal d'avoir une bonne année avant d'avoir de bonnes choses. Parce que si on n'a pas de bonnes choses dans l'année, pourquoi en avoir une pour l'anniversaire, bien sûr. Donc voilà, n'est pas vraiment le duplex du camion, même si en arrière-plan vous ouvrez le camion. Bon, moi j'ai pas grand chose en arrière-plan, franchement je le dis clairement. J'ai pas grand chose là, comme vous voyez, j'ai la lumière en face, c'est juste la lumière du jour, il n'y a rien de plus. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui va durer 40 minutes, je crois, à peu près. Donc je sais pas si je ferai tout en facecam ou pas. Parfait. Oui et non, parce qu'en gros, voilà. Bah, en fait, en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ma caméra.
a planté, ben mon téléphone a planté pendant que j'étais en train de filmer, de me filmer en train de jouer. Et justement, bah, c'est à ce moment-là que bah, je me suis retrouvé comme un con. J'ai fait merde, ma mon téléphone a bugué et tout, je me retrouve comme un con. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... en gros, j'étais vraiment dans la merde. Et donc, en gros, j'ai fait comme ça et puis j'ai dit hop, on va faire un petit montage, là bien. Donc, on retrouvera le reporter à la fin de cet épisode. Assez sympathique, qui j'espère vous plaira. J'essaierai peut-être d'en faire un peu plus dans ce style là. Je trouve que ça donne un petit peu de gaieté, un petit peu de ça fait un peu plus travailler, ça fait un peu plus pro, on va dire, même si ce que je fais n'est pas pro parce qu'on n'a pas du matériel de pro, donc on peut pas faire un truc professionnel. Donc ça reste quand même professionnel, ben semi pro, même plutôt amateur, parce que c'est pas non plus ni pro ni amateur ni que dalle. En gros, il n'y a pas grand chose de très professionnel. Et aujourd'hui, on va finir la mission très très spéciale qui va certainement vous faire rire parce que je connais déjà la fin vu que je l'ai déjà tourné. Donc il y aura une partie aussi qui sera un peu accélérée. En gros, une partie, mais pas moi, hein. Pas ma partie, moi. Mais en gros, moi, je serai toujours en face de vous. Mais il y aura une partie, comment dire, une partie du jeu qui sera accélérée, parce que c'est vrai que ça ferait sinon un petit peu long. Normalement, il y en a pour 50 minutes si je mets tout en normal. Donc, je vais mettre une petite partie accélérée très rapidement. Après, on reprendra la fin en normal. En gros, normalement, elle devrait durer 41 minutes. Et j'espère franchement que ça vous plaira. J'essaierai peut-être de faire un peu plus dans ce genre-là. Voir quand j'aurai une caméra digne de ce nom. Parce que ça, c'est bien. Mais là, ça dépanne, on va dire. Mais c'est pas le top. Et c'est pour ça que j'aurais aimé pouvoir vous procurer un contenu de meilleure qualité et de mieux, surtout qu'en plus avec ce que j'ai eu pour Noël, j'aimerais bien pouvoir prendre certaines choses, certaines disponibilités, certains matériels qui pourraient me servir pour faire des vidéos. C'est vraiment le truc ultime et j'aimerais vraiment pouvoir continuer face à vous à faire des trucs complètement starbés. Et de pouvoir faire des trucs mais assez déglingos, quoi, continuer. Donc voilà, après je vais essayer de trouver de nouveaux jeux, des jeux inédits dans la inédit façon de parler, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui l'ont fait, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que... Bon, il m'énerve les cascades. C'est pas vraiment la look d'un chauffeur. Bien, plutôt un livreur, pas vraiment un chauffeur, là. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que je vais essayer de trouver des jeux, pas forcément qui sont pas sur YouTube, mais plutôt qui changent de ce que j'aime, moi, sur YouTube. Par exemple, on a beaucoup... on a eu des voitures... On a eu quelques jeux de voiture. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des jeux de camion. On a eu 3 ou 4, je crois. Un truc comme ça. Donc on a eu des jeux de voiture, des jeux de camion. On a eu jeux de chasse aussi. 2. The Hunter et Deer Drive. Donc peut-être chercher un peu plus dans bateau, avion... voir un peu plus tout ça et pouvoir balayer tout le reste, en gros. Trouver des jeux vachement mieux, vachement plus réalistes. D'ailleurs, j'en ai un que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce qu'il n'existe pas vraiment, on va le dire. Un jeu qui n'est pas un jeu. Mais bon, on verra bien.
Vous verrez bien plutôt, parce que moi je sais, j'ai une idée dans la tête. Après, il faut que j'ai le matériel pour pouvoir faire cette idée. Mais si cette idée que j'ai dans la tête arrive à en sortir, sortir sur par la caméra hein, plutôt, parce que y rentrer plutôt. Je dis un peu des conneries, mais bon, vous me comprenez peut-être. En gros, j'ai une idée là. Reste un peu dedans, reste au chaud. Et j'aimerais bien pouvoir la faire sortir, un de ces quatre. Et peut-être plus vers le mois d'avril-juin, parce qu'il fera beau et tout. On verra. À moins qu'il y ait un jour où il fasse super beau et tout. Là, j'essaierai de filmer si j'ai tout ce qui va bien pour filmer. Et c'est vraiment ça qui me manque. Pour faire ce que j'ai dans la tête, justement, y mettre sur papier, sur ordinateur, tout ça. Parce que là, j'ai une idée, mais de malade. Donc voilà, après j'ai plusieurs idées, j'ai vraiment envie de changer de volant aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de changements, j'aimerais beaucoup de changements cette année pendant cette année 2015, et c'est vrai que beaucoup de changements par rapport à ce que j'ai, mais oui, beaucoup de changements par rapport à ce que j'ai, en gros avoir du meilleur matos pour pouvoir faire de meilleures vidéos. Et pouvoir vous séduire un peu plus, parce que c'est vrai que je vois qu'il y en a qui regardent pas mal mes vidéos, mais pas très longtemps, et ça c'est vrai que c'est un truc qui me chagrine, mais pas plus que ça, on va dire, ça me touche un peu, mais... Donc voilà, et ce que je voulais vous dire aussi, donc en plus de vous souhaiter la bonne année et la bonne anniversaire pour ceux qui sont de la tranche, voilà, et pour tous ceux qui sont nés au jour... qui regarde la vidéo, bien sûr, hein, parce que la vidéo ne sera, je la publierai le 3 janvier, mais tout le monde pourra la regarder après. C'est ça le truc, c'est que il y a un truc quand même derrière, il y a une idée, une histoire, il y a quelque chose. Et c'est pour ça que aussi je me suis dit qu'il fallait que j'évolue, je passe à autre chose. Fallait que je me mette au face commentary, parce que ça faisait un an que j'étais sur YouTube, ça fait un an que je fais des vidéos, donc essayer d'évoluer, trouver un truc un peu plus complexe, un peu plus je sais pas comment, un peu plus complet, parce que c'est vraiment plus de un peu plus complet, voilà, je vais pas aller plus loin, un peu plus complet pour pouvoir aller plus loin, on va dire, parce que là c'est vrai que j'ai beaucoup eu de soucis pas au niveau familial, on va dire, et en gros dans ma vie privée cette année, et j'espère que l'année prochaine ça ça ira mieux, et que je pourrai vous procurer des vidéos de meilleure qualité, plus de contenu aussi. Déjà j'ai quelques jeux en vidéo test qui vont être plutôt sympas. Non, j'ai un jeu de bateau que j'ai en tête. J'ai aussi peut-être un petit jeu d'avion, on va dire, bon, que tout le monde doit connaître, hein, World of Planes, peut-être, Warplanes, hein, voilà, vous avez compris, pardon, je me dis qu'il me gratte, Warplanes ou World of Planes, voilà, vous avez compris. Donc ce jeu, je vais essayer de le mettre en vidéo test sur YouTube, et comme ça tout le monde, je pense qu'il y a déjà quelques vidéos, mais bon, moi je m'en fous, concrètement ça me fait plaisir de faire des vidéos, même si il y a des couillons qui ont déjà publié 50 fois ou 1000 fois des séries, moi je m'en fous, je fais ça pour le fun, pour même si je rage sur le jeu, ça me dérange pas non plus. Parce que c'est pour moi une habitude, on va dire, de rager, de pouvoir me faire m'énerver, en gros, ça me défoule un peu. Et ça me fait du bien, en gros, on va dire. Ça me défoule, ça me... voilà, je sais pas comment dire ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime bien en faire. Hein. Dans des jeux comme ça qui sont un peu, même sur Call of, même si j'aime pas jouer à Call of, pas Call of,
Call of et Call of, là, c'est pour que, voilà, vous me comprenez. Hein, j'aime pas trop jouer à ces jeux-là, mais bon, on va dire que j'y joue. Hein, mais c'est pas un kiff, je préfère jouer à Need for Speed The Run ou à Need for Speed. Voilà, à des Need for Speed ou à des Forza ou à Gran Turismo ou. Gran Turismo, je trouve que le 6 il est pas. Voilà, pour moi, c'est vrai que Forza. Merde. Gran Turismo, pour leur dernier opus, ben en gros, voilà, il est bien, mais je préfère Forza Motorsport 6. 5, pas 6, excusez-moi, j'ai mis une connerie. Ou même Forza Horizon 2, ils sont plutôt pas mal. D'après ce que j'ai vu, ils ont fait un DLC. En gros, c'est une version rallye raid, ou rallye tout court, qui est plutôt assez sympathique de ce que j'ai vu, hein, je vais pas vous dire, parce que je l'ai pas acheté, j'ai même pas la Xbox One, ni la Xbox 360, ni la PS3 d'ailleurs, mais j'ai vu d'un de mes collègues sur YouTube que c'était plutôt sympathique, assez cher pour ce que c'est quand même, mais plutôt sympathique quand même, et c'est vraiment l'aspect recherché sur des jeux, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu entrevoir. Il a l'air plutôt pas mal, mais assez onéreux. Donc pour moi, déjà, je trouve que c'est vrai que 19€ pour un truc comme ça, oui, il y a deux trois voitures en plus. Et voilà, on va dire que c'est assez limité dans le temps. Et voilà, en gros, pour moi, c'est bien, il est bien. Mais c'est vrai peut-être un petit peu trop cher. Après, je vais pas vous mentir, moi, un jeu, les jeux, je préfère quand ils sont gratuits, on va dire, parce que ça coûte moins cher. Voilà. Mais après, c'est vrai que des jeux de simulation gratuits, il y a pas beaucoup. Après, ça dépend comment on voit gratuit. Mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît, parce que là, franchement, c'est un peu les vœux de 2015. Dans le fond, même s'il y en aura, j'en ferai une petite de 5 minutes que je mettrai en bande-annonce ou je sais pas où. Ou peut-être pendant tout le mois de janvier, je les mettrai dans la description de chaque vidéo. Je sais pas encore, on verra bien. Ou pas. Donc voilà, c'est vrai que cette semaine, j'ai rien publié, ou presque. Là je suis en train de publier quelques vidéos pour l'instant, mais sinon c'est vrai que en ce moment j'ai été un peu à la ramasse, bien, surtout cette semaine, donc c'est par rapport à des problèmes familiaux entre autres, mais il n'y a pas que ça, donc normalement le contenu devrait revenir d'ici quelques temps. D'ailleurs vendredi, là, donc hier, par rapport à ce que je vous filme, je vais essayer de publier pas mal de vidéos, parce que je vais pas dire quand même que j'ai publié pas mal de vidéos, je l'ai pas encore fait. Normalement, c'est bien normalement, il devrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos en ce 2 janvier, parce que normalement, il devrait y avoir, il devrait, sinon demain il y aura le reste. Il devrait y avoir 5 vidéos publiées dans la journée. Je viens de vrai. Parce que je suis pas sûr de ce que je vais pouvoir mettre. Et ce que, en gros, de tout du contenu que je vais pouvoir mettre sur YouTube. Parce que j'ai pas une connexion hors norme non plus. J'ai juste une connexion, une petite ADSL pourrable. Hein. Et surtout que je ne peux pas publier les vidéos dans mon studio, on va dire dans l'endroit où je filme. Donc je suis obligé de transbiter mon ordinateur dans le salon, là où il y a la box et tout. Et de les publier depuis le salon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Parce que en gros j'ai vraiment une pas superbe qualité de connexion internet. Et c'est vraiment le petit truc qui manque à mes vidéos, parce que j'aimerais bien faire des lives aussi, ça pourrait être sympathique sur farming, Euro Truck, des trucs comme ça.
Après, je sais pas encore si multi je pourrais en faire. Peut-être avec l'un de mes confrères, l'un de mes collègues, quand il a récupéré sa tour qui est juste là. donc voilà. Après, sinon, c'est vrai que pour l'année 2015, sur YouTube, j'ai envie d'évoluer, de passer à autre chose. D'ailleurs, d'ici quelques... ou peut-être dans cette vidéo. Si, peut-être dans cette vidéo, d'ailleurs. Une nouvelle intro. Avec un nouveau logo aussi. Il y aura beaucoup de nouveautés pour cette année 2015 pour ma chaîne YouTube en tout cas, que j'avais déjà fait en 2014 bien sûr, parce que ça prend pas mal de temps, surtout quand on avait un PC hors norme, malgré que c'est vrai que l'intro a été plutôt vite fait. En gros, je l'avais fait en... ben, pour la mettre en place, faire les petits trucs, les petites animations et tout, il y en a eu pour une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est vrai qu'il y avait, j'ai pu aller assez vite pour faire cette intro, la montée on va dire, non pas la montée, le rendu a été fait assez rapidement. Par contre, c'est vrai que j'ai eu, par contre je fais des vidéos sur Camtasia, le rendu est plutôt long, parce que là, je vous dis, hier, j'ai fait le montage de 3 ou 4 vidéos. J'ai commencé à faire ça à 10h. Et j'ai fini le lendemain matin, en gros. Donc, pour vous dire que ça prend un certain temps, quoi, une journée pour faire un rendu de 3 vidéos. Bon, certes, la nuit, il n'avait pas tourné mon ordinateur. En gros, il était en veille prolongée, donc il ne tournait pas. Mais c'est pas ça qui change la chose. C'est le fait que ce soit très 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 long pour publier, enfin pas pour publier mais pour faire un rendu, pour publier aussi, même si encore ça reste assez raisonnable. Donc voilà, on va continuer sur cette lignée, on va se souhaiter déjà pas mal de bonnes choses, parce que moi je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, 200 enfants pour ceux qui en veulent, hein, beaucoup de bonnes choses pour cette année 2015. Et vraiment beaucoup 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 de bonnes choses, parce que autant pour vous que pour moi, parce que c'est vraiment ce serait pas du luxe, ce serait pas du luxe, c'est vraiment ce que j'attends pour cette année 2015, qui est du changement, oui, qui est beaucoup de nouveautés. Déjà pour moi, je pense, ben pour moi, pour les vidéos sur YouTube, il devrait y en avoir pas trop quand même, parce que en termes de simulation en tout cas, j'ai un peu expiré, ben, j'ai un peu beaucoup tourné autour du pot, et vraiment en gros j'ai fait pas mal de choses. J'ai essayé de tourner autour de la simulation, mais je pense que c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de jeux, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai fait vraiment pas mal de choses, j'ai fait pas mal de trucs. En gros, c'est vrai que pour moi, 2015 sur YouTube, pour moi en fait, c'est, je pense pas que ce soit une évolution du contenu, mais plutôt une évolution de la qualité. C'est le but que je me fixe pour 2015. C'est le but de la qualité et pas de la pas fort. Bah, si, quand même un peu de la quantité de du contenu, en gros, mais plus de la qualité que de la quantité, ou que du de la diversité. En gros, c'est vrai que diversité de ce que je vais faire va être peut-être un peu plus restreint. En gros, ce sera peut-être Farming 2015, peut-être encore des Sims 4, parce que ça fera un bout de temps que j'en ai pas fait. J'ai fait que 2 épisodes, je crois, dessus, 2-3 épisodes. J'ai pas arrêté, en fait, c'est juste que, voilà, j'avais beaucoup joué avant de faire de la vidéo découverte. Et le jeu, ben voilà, il m'a un peu lassé. Je verrai quand je reprendrai. Parce que la reprise, quand je vais reprendre, ça va être du lourd, je pense, ben du lourd, c'est pareil, hein. Ça va être un peu du choc, en gros,
j'essaie de choquer tout ça et de pouvoir continuer à évoluer et à faire évoluer ma chaîne avec moi. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y aura beaucoup de contenu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, peut-être aussi une reprise de l'hebdo du Mécano en gros, et lâchez pas l'hebdo du Mécano, on verra bien, mais ce serait possible, un hebdo du Mécano ou reprendre tout du zéro, mais je pense pas, on verra bien, parce que moi c'est vrai que ça me dirait bien de pas tout de refaire de zéro, parce que c'est vrai que ça serait un peu chiant, donc on verra bien. Je regarderai ma dernière vidéo sur Car Mécanique et on verra, on reprendra très bientôt, parce que je sais que c'était un truc qui vous... Enfin, le premier épisode vous a bien plu et après les 2-3 autres qu'il y a eu après ont été un peu moins bien regardés, on va dire, mais donc c'est pour ça que j'ai un peu arrêté aussi, parce que c'est vrai que voilà, bon, même si par exemple les vidéos sur Euro Truck ont pas trop marché, mais j'ai pas arrêté pour autant. C'est vrai que voilà, c'est un jeu qui me plaît bien, c'est un jeu qui est plutôt bien dans le thème de la simulation et qui n'a pas encore délivré tous les secrets, façon de parler, tous les secrets qu'il peut avoir délivré, en gros tous les contenus qu'on peut utiliser dessus, tout voilà, comme vous voyez, j'ai tous les skins que j'ai fait, toutes les nouveautés, on va dire, que j'ai que je vous ai montré, façon de parler, parce que le contrat de l'Odyssée, bon voilà, après c'est juste le nom de l'épisode, de la petite série qui a changé, mais sinon c'est toujours la même chose. C'est vrai qu'il y a encore, il y a une répétition dans ces épisodes, mais en même temps il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté et de la répétition, mais la répétition est quand même moins flagrante avec un peu de nouveauté. Donc un peu de nouveauté, c'est vrai que les skins dans le fond c'est de la nouveauté sans l'être, parce que comment je peux vous dire ça, en gros les skins on les voit pas, ou très peu, on les voit un peu dans les rétroviseurs et puis c'est fini quoi, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est nouveauté sans en être une, parce qu'en gros le camion, l'intérieur il change pas forcément, malgré que je peux le faire aussi, j'ai appris un peu à le faire, les skins des, en tout cas tout ce qui est tableau de bord, je peux le modifier et tout, en mode et tout. Donc c'est vrai que je peux faire encore pas mal de choses. Je peux arriver à avoir pas mal de contenu. Mais c'est vrai que si... c'est vrai qu'en gros, Euro Truck a dévoilé une bonne partie de lui, mais il y a certaines parties qui sont très peu exploitées. Parce que comme je vous ai montré, par exemple avec les skins, c'est une partie que j'aimerais peut-être continuer. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Les skins, en gros, de pouvoir pouvoir les faire une fois par semaine, changer de skin, changer de thème pour faire des skins et tout. C'est vrai que c'est un peu chiant, on va dire, parce qu'il faut quand même compter une heure et demie pour faire un joli skin bien préparé et tout. Bien sûr. Photoshop ou sur paint.net, voilà. Pardon. Sur paint.net, des trucs comme ça. C'est vrai que voilà, faut une heure. Après on teste. Après il faut peut-être en fignoler un petit peu. C'est vrai que voilà, c'est un petit peu long pour des choses qui sont vraiment courtes, quoi. Courtes, très courtes. Et pourquoi pas aussi, voilà. En gros, c'est vraiment... Et les remorques aussi qu'on peut faire, que j'ai déjà dû faire, mais je les ai peut-être pas publiées sur YouTube, ou très peu, qu'on va dire. Donc on verra, peut-être que j'en ferai une,
d'une autre. Par exemple, mais par contre là, ce serait plus par rapport à une marque que j'ai faite il y a assez longtemps. Donc voilà, après je vous dis clairement, moi j'adore faire mes vidéos. J'ai adoré faire juste avant, peu de temps avant l'Odyssée, les vidéos avec leur thème, en gros le skin et tout. C'est vrai que c'était assez intéressant, c'était, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Voilà, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour moi, Euro Truck a encore pas mal de choses à livrer. Après Farming 2015 par exemple, vu que c'est l'un des autres jeux qui va rester sur ma chaîne, pour l'instant en tout cas, comme j'avais fait sur 2015, je l'avais un peu abandonné, ce pauvre, le pauvre, parce que c'est pas ce pauvre, c'est le pauvre. Je l'avais un peu abandonné parce qu'en gros il y avait de la répétition dedans, il y avait, on faisait souvent la même chose, sinon on pourrait rien faire. Donc voilà. C'est ce qui m'avait beaucoup dérangé, on va dire. Et c'est pour ça que j'avais un peu abandonné. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Pour l'instant, faire Farming 2015. Mais quand ça va me gaver, ça va être trop répétitif. Oups. Je vais arrêter la série où on va essayer de trouver quelque chose. D'unique, des maps, des modes, essayer de faire son propre skin peut-être, on verra. Pardon. Voilà, des trucs dans ce genre là qui serait assez sympathique de changer ou de modifier, voilà, des trucs dans ce genre là. Donc après, c'est vrai que Farming 2015 reste toujours pour l'instant dans mon top. Après il y aura aussi Euro Truck hein, qui va rester, on va faire des nouveautés et tout. On va essayer de faire de la nouveauté, on va essayer de garder un peu à l'ancienne, on va dire. On va essayer de garder on va essayer de garder le maximum de ce qu'il y avait sur ma chaîne, donc les Sims 4, Farming. Je vais essayer de reprendre les Sims 4, c'est différent. Après peut-être pourquoi pas essayer de faire un petit truc sur Pokémon peut-être. Ça n'a rien à voir avec la simulation, je vous le dis, mais pour moi Pokémon c'est quand même une série qui a bercé mon enfance, qui m'a vu grandir, qui voilà, en gros c'est une série que je connais pas depuis sa sortie parce que j'étais trop petit, mais depuis pas mal d'années, en gros depuis ma première console, depuis 15 ans, 15, 16 ans, 15, 16 ans, un peu plus aussi en ce moment.
jeu là est bien remasterisé. C'est vraiment un jeu, là ils ont vraiment mis les bouchées doubles d'un jeu, peut-être pas forcément parce qu'il ressemble pas mal à X et Y, j'ai vu quelques vidéos aussi dessus. Donc c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à X et Y, mais en gros, voilà, il ressemble beaucoup à X et Y, mais comment dire, voilà, il ressemble beaucoup à X et Y, mais X et Y, en gros, voilà, c'est pas une reprise, c'est une nouvelle partie, mais pas, voilà, en gros, ce que je veux dire par là, c'est une remasterisation, et c'est vraiment presque comme, en gros, l'histoire est la même que dans l'original, mais avec des graphismes vachement améliorés, du 3D, de l'animation et tout, de la cinématique. Donc voilà, c'est sur ce point là que je trouve que ce jeu a vraiment repris bien la version originale et a pu améliorer, mettre une touche personnelle dans ce jeu de Ruby Omega. Donc voilà, là d'ailleurs on devrait plus trop tarder à arriver à Sheffield, donc je pense que vous allez, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, bien vous marrer, parce que c'est vrai que même moi, bon, ça m'a un peu vénère, je vous le dis clairement, quand je suis arrivé là-bas ça m'a un peu vénère, mais je m'en doutais un peu. Donc pour ceux je sais pas encore si je suis arrivé, mais je crois pas, hein. Donc je vais essayer de voir avec ce qu'on gagne, même si moi je sais ce que je vais gagner. Je vais peut-être essayer de voir si je peux vous offrir une glace avec ce que je vais gagner dans le jeu, même si entre nous, bon, vous vous doutez peut-être, je vais vous dire ben, ce qui va se passer, parce que je vous mets l'eau à la bouche, je vous dis un peu ce qui va se passer sans vous le dire. En gros, je vous fais tâtonner, vous voyez ce qu'il y a comme machin, ou si vous connaissez le jeu, vous savez qu'on est en retard. Donc voilà, vous doutez, il y a déjà pas mal de dégâts sur le camion, il y a pas mal de dégâts sur la remorque. Donc vous doutez de ce qui va se passer. Donc je vais pas vous le dire, mais avec les sous qu'on va gagner, je vous offre tous une glace, tournée générale. Vous allez vous marrer à la fin, je vous le dis, vous allez vous marrer. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, voilà, pour moi c'est Pokémon. Pokémon, c'est vraiment un jeu qui traverse le temps, qui revient. C'est vraiment un jeu vraiment qui traverse le temps, qui est éternel, ou presque, il renaît de ses cendres, c'est presque un phénix à lui tout seul. Donc c'est vraiment ça que je trouve un peu extraordinaire dans ce style de jeu, parce que en gros c'est vrai que c'était vraiment il y a vraiment eu des bons jeux qui ont été repris, surtout chez Pokémon. Là, il y a un jeu quand même qui m'a un peu attristé, c'est vraiment Noir et Blanc 2. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont changé dedans, parce qu'en gros je l'ai à peine débuté avec vous dans la vidéo. Oui, dans la vidéo que j'ai faite avec vous sur mon PC. Pardon. J'ai à peine débuté le jeu, mais déjà en gros, rien que le début quand on arrive dans le jeu et tout, c'est décevant. Ça m'a déçu à tel point que je ne veuille pas continuer, quoi. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu, quand c'est le même démarrage, c'est le même graphisme, c'est tout pareil. Il y a peut-être un ou deux Pokémon en plus, mais c'est tout ce qui change. Donc c'est pas une bonne remasterisation, c'est pas une bonne suite. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que je pense. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux vous faire mijoter un peu. Donc là je pense qu'on va vraiment pas tarder à arriver à Sheffield, donc on va pas tarder à se quitter
pour cet épisode. Mais vous inquiétez pas, Eurotruck reviendra la semaine prochaine avec un seul épisode, hein, je vais pas en faire 4 par semaine tout non plus. Je crois qu'il y en a 4, hein, ouais. Il semble bien qu'il y en a 4. Je vais pas faire 4 épisodes toutes les semaines pour vous, malgré que ça me dérangerait pas plus que ça, surtout que c'est plus de vacances, donc ce sera bon. Mais donc voilà, c'est vraiment pour ça, donc on va pas tarder à se quitter, je vais encore faire 3-4 minutes. Et après on va se quitter parce que c'est vrai que ça fait un petit peu long, 40-42 minutes, c'est assez raisonnable on va dire, c'est assez, c'est surtout qu'en plus voilà je vais pas vous emmerder bien plus que ça, on va dire, moi franchement je fais ça pour plaisir, je fais ça aussi pour éviter de m'emmerder parce que sinon je m'emmerde beaucoup, donc voilà, après c'est vrai que... Donc j'ai dit, voilà, il va y avoir peut-être un petit retour de Car Mechanic Simulator 2014, ou Car Mechanic Simulator tout court, enfin largement suffisant. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis bon, Fermine 2013, on oublie, parce que c'est vrai que on est passé une génération suivante. Je vois pas. Je vois pas ce qu'il y a d'autre comme jeu qui pourrait être intéressant à faire. Peut-être si un petit... peut-être un petit World of Tanks, mais ça m'étonnerait. Donc, ah non, s'il te plaît, pas tout de suite. On va pas tarder... on va pas tarder à se quitter, c'est une chose, déjà. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, même si je pourrais vous le dire avant, vu que... Mais bon, c'est vrai que je les avais pas prévus pour vous les mettre maintenant, en gros. J'aurais voulu vous les mettre avant. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon jour de l'an, que vous passerez une bonne année 2015. Là, vous avez dû voir que on n'a pas gagné du tout d'argent. Hein. Pas d'argent, non, pas d'argent, mon frère. Ben non, je sais pas encore si vous l'avez vu. Mais je pense que vous avez tout de suite compris. Que voilà, il y avait pas on n'a pas gagné d'argent sur cette livraison, malgré qu'il y avait quand même pas mal d'argent à gagner. Dites-moi dans les commentaires si par exemple si j'en faisais une autre comme ça, mais avec peut-être beaucoup plus de route ou beaucoup plus je sais pas trop encore, mais c'est vrai que pour moi ça me paraît assez long, en gros, faut vraiment préparer pas mal de choses et tout, faut vérifier que ton mode fonctionne tout le long de ta vidéo, tout le temps, tout le long où tu mets, voilà, en gros, qu'elle te suit tout le long, en gros, que par exemple, en plein milieu, il te fasse une mise à jour et qu'elle puisse plus faire ta vidéo. C'est d'ailleurs ce qui aurait dû se passer si j'avais mis ma mise à jour, je pense, parce que normalement, en 1.15, la 5.3 fonctionne hein, en TSM. Donc, je vous le dis, si vous avez la 5.3, que... Ah, mais je crois qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour. Bon. Donc on va pas tarder du tout parce que. Voilà. Donc moi franchement je vous dis bonne année à tous. Bonne année. Bon anniversaire à ceux qui regarderont la vidéo le jour de leur anniversaire. Enfin, moi aussi je me souhaite un bon anniversaire parce que le jour où je publie la vidéo, ce sera le jour de mon anniversaire. Je pense, normalement, s'il n'y a pas de problème. Ce sera le jour de mon anniversaire, donc le samedi 3 décembre, 3 janvier, puisque je dis comme quoi, non, moi, 3 janvier. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Il est dépassé, lui, une bonne épiphanie, parce que c'est vrai que c'est demain, après-demain, vu que moi je tourne cette partie de vidéo le 2, en gros, pour 3, donc ça va être assez short, hein. Déjà de la montée, tout ça, voilà. Donc, c'est pour ça que... J'ai vraiment beaucoup de choses à faire en ce 2 janvier. Voilà, en ce 2 janvier 2015, j'ai pas mal de choses à faire. Faut faire les montages, faut les mettre en ligne, faut machin. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour si peu de choses en fait. Voilà. Donc, bon, on va continuer l'année comme elle a commencé. Bien, on va essayer. Même j'espère peut-être qu'elle se termine mieux qu'elle a commencé. Même si encore elle a plutôt bien commencé. Donc voilà, on va se laisser là parce que je pense que la vidéo, au pire si il y a un petit bout, je couperai, on verra.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, par exemple, si vous voulez d'autres Odyssées, où je changerai peut-être le nom pour dire à peu près la même chose. Voilà, c'était juste pour vous dire bonne année. Faire plaisir aussi, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'un youtubeur est assez actif, surtout là aujourd'hui, hein, c'est sacrément actif. Malgré que, voilà, on va dire, je suis actif sans être actif. En gros, je suis actif par par moment. Donc, on va pas tarder à s'arrêter parce que là, c'est vrai que mon téléphone il risque de couper. Donc, moi, je vous dis à la prochaine sur une vidéo Rotruck Farming Car Mécanique qui va peut-être reprendre, même certainement reprendre, ou tout autre jeu que je fais en let's play, par exemple, va continuer aussi, même s'il n'y en a pas beaucoup. Par moment en gros ils vont continuer, donc voilà, ça va être petit à petit, on va se la faire quand on va vouloir jouer, quand on... voilà, en gros il va pas y avoir forcément des trucs définis, voilà, mais en gros j'ai pas un programme fixe, surtout qu'en plus voilà, en gros je peux pas suivre un programme fixe hein. J'essaye de suivre un programme quand même un minimum fixe, mais tout en restant assez mobile. Ouais, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Donc on va se quitter là avant que mon téléphone bug. Et puis je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à remercier aussi le petit montage que j'ai fait. Donc on se retrouve tout de suite avec notre... Salut, donc on est de retour. J'espère que le duplex avec... comment dire... ce chauffeur vous a plutôt plu. J'espère que nous allons nous revoir très bientôt dans un petit flash spécial, un peu improvisé on va dire, juste parce qu'il y a eu un problème de matos. Donc voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et je souhaite aussi un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le jour où je publierai cette vidéo, donc ça veut dire le 3 janvier. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 3 janvier, à moi de même, hein, parce que je suis né le 3 janvier. Et, bonne année à tous. Passez une bonne année avec de bonnes choses, parce que c'est le principal qu'il faut pour cette année 2015. Des bonnes choses et encore des bonnes choses. Donc, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de MM Simulator. J'essaierai peut-être de refaire ce petit système de flash spécial, je sais pas trop. J'avais, en fait, c'est juste que j'ai eu un petit pépin, on va dire. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit flash spécial, parce que j'ai envie de m'amuser, j'avais envie de changer un peu, de faire des choses un peu plus de meilleure qualité déjà, parce que j'utilise mon appareil photo. Donc voilà, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas aimé, bon bah vous mettez un petit pouce rouge, je m'en fous, mais mettez un commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Eurotruck Farming, etc. Vous connaissez la chanson. Donc à la prochaine. Ciao.